apportes-tu comme nouvelle? Écoutez, vraiment, tout va bien. Une crêpe de jour, ouais. Est-ce que vous pourriez me faire ce plaisir, s'il vous plaît? Allez, viens écouter l'histoire de Bobby Joe. Non, c'est Bobby Joe. Le pirate du sud qui voyageait sur tous les flots. Mais non, mais vous, vous dites Bobby Zoo. Alors moi, c'est Bobby Joe. Il a connu nombreuses tempêtes en mer. Encore une prise dans les yeux. De moi, cette fois, c'est énorme. Son une énorme prise dans les Maintenant, nous allons donc pêcher une heure. Il ne sera pas dit que le capitaine Bobby Joe ait laissé filer sa plus belle prise. En naviguant un peu partout sur la planète, l'horizon à perte de vue. Les vagues fléchissent sous le poids de la caravelle, avançant vers l'inconnu. Et si on y croise au loin quelques sirènes, des boules cassées j'aurais prévu. On n'apprend pas à faire la grimace à un vieux pirate. À tout obstacle, y a une issue. Sorcière, gentille sorcière. D'ici quelques heures, le roi devra boire ma potion et ce sera la fin de ce royaume. Est-ce que par hasard vous n'avez pas oublié mon antidote? Mais non. Allez, va-t'en, j'en ai. Mais... Je serai la reine des océans. Voilà. Vous avez entendu ce que j'ai entendu, les enfants? Oui. C'est une sorcière. Hein? C'est bien ça, hein? Oui. Mais alors pourquoi on l'appelle la gentille sorcière gentille? Elle me paraît pas très gentille, moi. Parce qu'elle fait croire au roi. Qu'elle est gentille, en fait, elle est méchante. Oui. Julie. Où est-ce que je l'ai mise? Où est-ce que je l'ai mise? Oh non, princesse, pas maintenant, oh non. Oh non, mais quelle maladie nulle. Oh là là. Elle a dit qu'elle allait empoisonner ton père et laisser les sacs plastiques tuer tous les trucs de la mer. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Je sais, c'est pour ça que je suis là, c'est bon, je peux y aller maintenant. Sur le milieu, hein, des vagues, face à la mer. Vraiment tout seul au milieu de la mer. Je divague. Je sais que ça a l'air bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai le cafard. Un problème sans solution. Qui a le parfum du poisson? Je me gratte toutes mes écailles. Il n'y a plus rien qui m'aille. Mon cœur accroché à un hameçon. J'allume un moribond. La la la. Vous savez qu'il y a des enfants ici. Et mon temps, moi, sur mon radeau. Avec mon curé, ça changera pas beaucoup de d'habitude, d'ailleurs. Je vais te prouver qu'on peut faire attention à la nature. Quoi? Oh non! Oh, la méchante sorcière pourrie. Allez. Même morte, elle pue encore. Allez, viens écouter l'histoire de Bobby Joe, le pirate du sud qui voyageait sur tous les flots. Il a connu nombreuses tempêtes en mer, d'est en ouest, son or jamais il ne le perd. À l'abordage, moussaillon, crame sur le tonneau de Bobby Joe. À l'abordage, moussaillon, comme sur ton autre Bobby Joe. En naviguant un peu partout sur la planète, l'horizon...